Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons poursuivre du coup notre exploration de Strapi. Et cette fois-ci, on va construire un front-end pour se connecter à notre Strapi et voir du coup les différentes étapes dont on va avoir besoin pour mettre en place donc un système de messagerie, pardon, où en gros on pourra envoyer des messages que si on est connecté. Par contre, on pourra avoir les messages de tout le monde, afficher le nom de la personne qui a créé les messages, et tout ça dans du coup côté Strapi. Donc pour ce faire, on va commencer par installer donc React, et pour l'installer on va utiliser du coup Vite, qui va vous permettre en fait d'installer plus rapidement les choses. Donc si on va dans l'overview, vous voyez que on a du coup plusieurs façon donc de démarrer. On peut le faire via npm, via yarn. Alors moi j'ai utilisé yarn parce que c'est yarn que j'ai sur mon système. Donc si vous vous souvenez, ici on avait donc notre Strapi project. Donc hop, on va commencer donc ouvrir un terminal intégré. Déjà on va lancer du coup notre on va démarrer notre Strapi. Alors attention, depuis la dernière fois du coup je l'ai juste mis à jour rapidement. Donc si jamais vous avez besoin de faire une mise à jour, en fait il vous suffit de changer la version aussi de Strapi, les user permissions du plugin. Vous passez ça du coup comme vous voyez là j'ai mis à 7, la dernière fois on avait la 4.0.0. Depuis il y a quelques versions mineures qui sont sorties. Donc là il n'y a rien d'autre à faire, vous changez et évidemment après vous faites un yarn install pour installer et mettre à jour votre Strapi. Donc là on voit que mon Strapi est démarré. Je vais cliquer dessus. Hop, voilà, on voit qu'on y est. Donc je vais me reconnecter. Donc c'était test. Voilà. Donc on voit qu'on est bien du coup connecté sur notre Strapi. Donc ici on va faire du coup on va diviser le terminal. Du coup, pour ouvrir un nouveau terminal, parce que du coup je vais avoir besoin d'un terminal pour créer donc mon application React. Donc là comme vous voyez j'avais fait un tuto sur React, donc vous pouvez lire. Je vais essayer de reprendre chaque étape par étape les choses, mais voilà, je vais pas revenir sur le use effect, le use state. Je vais le réexpliquer, je vais dire qu'on les utilise et redire rapidement ce que ça sert. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille donc de retourner ici sur cette vidéo. Donc je vais commencer donc par créer, donc faire un yarn create vite. Là du coup il va falloir lui donner le nom du répertoire. Donc là ça va être mystr react. J'avais oublié le A, React Project. Comme ça, vous avez du coup vos deux projets. Hop. Alors, si vous ne précisez pas, il va vous demander du coup le framework que vous lui utilisez. Donc, vous voyez, vous pouvez, si vous avez envie de faire directement du JavaScript, du Vue, du Create, du Lit. Donc, moi, j'ai choisi React et React normal. Bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur React TypeScript. Pourquoi pas, on pourrait utiliser ce genre de choses. Ok, et donc, et bien maintenant, là comme vous voyez, je vais vous dire, si vous regardez, donc il vous dit de rentrer dans le CD MyStrapi. Alors on voit que j'ai fait une erreur, donc on va copier ça et je vais le renommer en my- pour que les deux soient identiques. Ok,
Donc je reviens juste si on regarde donc, la commande qu'il m'a proposé de faire. Donc on avait ça, et donc il me propose de faire Yarn. Parce que là, si vous regardez, donc là c'est Maestra Pipolet. Donc je vais ajouter d'ailleurs à mon répertoire mon nouveau projet. Je dis oui. Et là, si vous voyez, il n'y a rien qui est installé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de NPM, on n'a pas de node file. Enfin, on n'a pas le node folder, ainsi de suite. On a juste donc la configuration de bit, le package.json qui va nous dire du coup quoi installer. On voit qu'il met React et React DOM. Donc voilà, on voit que là il y a quand même pas grand-chose, et surtout on n'a aucun package installé. Donc si jamais ici vous faites un yarn dev, ben voilà, il va vous dire que Vite n'est pas installé. Donc si on reprend donc la commande qui nous dit, on nous dit de faire yarn. Donc on va faire yarn, et vous voyez du coup il n'a pas trouvé de logfile, donc il va supposer qu'on en a besoin, et va regarder, on a bien le node qui est installé. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça a été par rapport à quand vous faites yarn create app, ainsi de suite. Moi c'est vrai que maintenant j'utilise quasiment plus que Vite, et donc maintenant on peut faire yarn dev comme c'était précisé. Autre chose, on voit qu'ici il ne nous a pas démarré la vue comme fait d'habitude React. À chaque fois il nous ouvre les choses, donc il faut cliquer là-dessus, et du coup voilà, on arrive ici. Donc là on a la Hello Vite plus React, donc ils ont personnalisé la page d'accueil pour Vite. Voilà, si on clique ça s'incrémente. Donc on va faire un peu de nettoyage. Donc déjà app.css, on va le dégager, on va supprimer. Le favicon, pour l'instant, on va le garder. Ici, on va supprimer du coup cette partie-là. Au niveau du app.js, on va faire un peu de ménage. Bon, on peut laisser useState, il y a de grandes chances qu'on en ait besoin. Le logo, on retourne. Ça, on n'a plus besoin du compteur. On va transformer ça en une fonction fichier. Voilà, donc on va accéder à cette fonction. Et ici, je vais mettre app tout court. Voilà. Donc, pour l'instant, on a quelque chose de tout à fait classique. App page. Donc, voilà. Si on regarde, on voit du coup qu'effectivement ici j'essaye d'appeler app.js. Voilà, on voit qu'ici c'est bon. Maintenant, si je retourne ici, voilà, on a bien app page qui est arrivé. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça. Place. Histoire qu'on voit bien les choses, que tout soit cool. Ok, donc on va aller voir notre index.css. Donc on va nettoyer ça, c'est pareil, on n'en veut pas. Ça. Hop. Alors, on se moi je vais prendre du coup cela, on va dire value 0. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt le mettre sur le body, cette fonte family, c'est quand même mieux. Donc ça, je vais virer le body, je vais mettre étoile pour que ça s'affiche à tout. Mais enfin tous mes tags HTML. Ok, donc là vous voyez, ça a été mis à jour, on a pu bordure nulle part. Si on regarde ici, donc on a quelque chose de tout à fait classique. Tac. Donc voilà.
Voilà, et donc la première chose que je vais installer, du coup, pour ce projet, je vais travailler avec SAS. Donc vous verrez, ça c'est pas compliqué. Mais du coup, ça aide enfin pour le CSS, vous verrez quand ça s'écrit beaucoup plus facilement. Donc on va continuer avec Yarn, je vais faire Yarn Add, SASS pour installer, et du coup on va ajouter aussi le petit module Nad SAS, donc pour gérer l'auto, en gros l'auto compilation du SAS, parce qu'en gros on va écrire des fichiers SAS, et derrière ce qu'on va obtenir c'est du CSS. Donc hop, on continue à récupérer. Voilà, on voit que c'est quand même plutôt rapide. Donc maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer notre fichier en SCSS. Tac, et dans le line SCSS. Alors, ce que je vais faire aussi, parce que je trouve quand même que c'est mieux. Je crée du coup un dossier styles dans lequel je vais mettre hop, le fichier SSS. Donc évidemment ici, il ne faut pas oublier de changer ici, sinon c'est bien. Ok. Donc évidemment, vu que j'ai pas redémarré, ça va faire une erreur. Voilà. Ok, bon, a priori rien n'a changé. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien gentil d'avoir fait du SAS, mais à quoi ça sert si ça n'a rien changé? Donc, ce qu'on va créer, du coup, c'est un fichier ici. Un fichier. Voilà. Iad. SCSS. Ok. Et donc, bah, par exemple, je vais créer une variable que je vais appeler black. Et du coup, je vais dire 0, 5, 0, 5, 0, 5. Donc, qui sera ma couleur de noir. Donc, maintenant, ici, c'est bien, on a fait ça, et on se dit, bah, on aimerait bien peut-être l'utiliser ici. Donc, si vous voulez l'utiliser, il va falloir faire import, et lui dire, du coup, quel est le fichier qu'on va importer. Alors, attention. Voilà. Et voilà. Donc là forcément on voit rien puisque j'ai pas changé. Donc par exemple si je fais ici background et que je mets deux points black, comme vous avez pu voir il m'a bien changé la couleur. Maintenant dans mon fichier de variable je vais mettre dollar white. Et on va affecter du coup une couleur au blanc. Et donc ici, évidemment, pour couleur, je vais mettre un white. Maintenant, j'en réfléchis. Évidemment, on a bien du blanc qui était mis. Alors, une chose qu'on va mettre ici, rate sans VH, et width à 100%. Voilà pour cette première vidéo et pour ce premier lancement au niveau du coup de la configuration. Donc, on a installé SAS. Et configurer quelques variables, et on va pouvoir continuer comme ça notre petit schéma pour créer du coup donc notre application.